C'est quoi ça? Oula mes palistos, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en Suède encore une nouvelle fois à Göteborg. J'espère que vous avez vu la vidéo précédente. On a passé notre premier tour avec Adrien Maigret. C'est le retour de l'association Maigret Sérin. On a fait un très bon match. On a géré le match contre deux Suédois. On est sûr de prendre au moins deux puntos demain. On joue deux qualifiés espagnols. Voilà, espagnol, il peut tout se passer. On est rentré à l'hôtel, petit resto sûrement. On va chill tranquille, je pense. Là, j'ai fait une erreur. J'emmène mon Adri devant un mur de gâteau. Heureusement qu'on joue pas cet après-midi là. Ouais, celui-là il est magnifique. Hein. Celui-là? Moi, je pense que je vais prendre celui-là. Okay. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Celui-là est très bien aussi. Voilà le resto de ce midi. Et regarde-moi cette vue. C'est super, ici on se croit à New York. Ah bah les mecs, c'est quoi ça? C'est pour les perdants, c'est ça? C'est la pizza de défaite, c'est ça mon filou? J'en prends souvent, hein, la pizza. Après le gros match que vous avez fait, il est dur, il vous. Tu n'as même pas eu le temps de le voir. Ouais, c'est vrai, ça vaut. Le vôtre aussi a été vite. Voilà l'après-midi. Voilà l'après-midi, messieurs. Allez, Nolo! Là, il y a grand choc. Hein. Il y a quand même le match retour entre Vives Inzerillo et Vambos Juris. J'étais un peu là-dedans aussi. Hein. Ah ouais. Arrêtez, les mecs. Je sais pas. Après, il va se plaindre qu'on parle de lui quand il pète, putain. Pas bon, la file, arrête. Encore, la position est pas là, je pense. Mais c'est la position, mec. Ouais. C'est immonde. C'est bien joué, ça, Jérôme. Bien joué, Inzé. Adri, tu viens de me dire que t'avais une blague avec la télé. On t'en est. Bah ouais, parce qu'en fait... On se rappelle quand même, ouais, de l'ancienne télé Sharp, où quand je suis arrivé, tu m'as dit, ah bah c'est cool. Si on a froid, on peut se la mettre au cou. Donc celle-là, elle avait été très critiquée dans les commentaires. Vous avez vraiment eu d'un 0 sur 10, je crois. Et donc là, j'ai une nouvelle avec la télé. On va essayer à chaque fois avec la télé. Donc là, on est sur une télé Philips, quoi. Exactement. Télé Philips, classique. Okay. Et on est exactement... dans la chambre où Maurice a dormi. Philippe Maurice. Maurice. Ah, j'adore, je suis fan de mes blagues. Une note sur 10 en commentaire. J'ai rien à ajouter. Philippe Maurice. Philips Maurice. Philips Maurice, oui, Philips Maurice, du coup c'est encore mieux. Ok. On se couche là-dessus? Allez. À demain. Et bonne nuit les gars. À demain, sors-toi. Putain. Allez, début de ce 8ème de finale, l'équipe avec, vous l'avez vu, joueur droite, un frère Quickma. C'est assez rare et déjà un gros match pour entamer cette rencontre. Alors, on joue sur un court annexe. Hein. Désolé pour la qualité de la vidéo et peu de recul derrière. C'était pas évident, mais ça fera l'affaire. En tout cas, on gagne ce premier jeu et tout de suite, on se retrouve à Punto de Oro sur notre premier jeu de retour. Et il fait un contre... un très très beau compte, bravo à lui pour égaliser un partout. Et attention, cette fois-ci c'est nous qui sommes un peu en danger. On a fait quelques petites erreurs dans ce début de match. Voilà. Les mecs font pas très mal de ce qu'on voit pour l'instant. Par contre, ils défendent très très bien à l'espagnol, quoi. C'est pas hyper offensif, par contre ça défend presque tout. Là, c'est déjà un très très gros point. Allez, je tape, ça sort pas où? Attention, où ça va sortir? Ça prend la grille, ce contre-smatch qui prend la grille. Et ça nous permet de tourner à 2 jeux à 1, puis 3-2. Il s'est pas passé grand-chose.
Dans ce début de... dans cette première manche. Allez, Moindri, c'est très bien joué, ça, Moindri. Oui, c'est très, très bien coupé. C'est très bien coupé. On vient leur mettre la pression. 30-40, 2 balles, 2 breaks, les gars. Allez. Oh, la grosse faute. Oh, la grosse faute. C'est ce qu'on s'était dit. Pour le coup, au-dessus de la tête, il ratait pas beaucoup. On s'était dit peut-être que bah, au filet, des fois, c'est pas mal de... On a beaucoup lobé. Peut-être les faire voler un peu plus. Et au final, c'est... Ça a fonctionné. Vous l'avez vu, on reçoit une nouvelle balle de break pour se retrouver à Punto de Oro. C'est voilà, c'est très serré en tout cas dans ce début de match. On prend pour l'instant bien les points importants. C'est compliqué là. Allez, ça prend le filet. Et là, je tire le point. C'est encore une fois un point extrêmement important pour continuer cette course en tête. Et voilà, on a 5-2. On a fait ce qu'il fallait, disons. Ouais, c'est agressif. Les deux ont des très bonnes vibora. Je varie un petit peu, c'est bien joué ça mon jeu. Oh là là, cette balle qui passe. Ouais, ça passe de leur côté. Ça joue pas mal hein, quand même. Ça joue pas mal, heureusement qu'on a pris ces points importants. Allez, 5 jeux à 3, on sert pour le 7. Elle est belle celle-là. Oh là, c'est pas gagnant. Allez, la remettre encore une fois défensivement, c'est très très fort, mais ça va passer. Ça va passer, c'est très bien joué, 40-30, 2 balles. Pour prendre cette première manche. Il est très agressif au filet. Il essaie de peu nous lober. On a fait pas mal de ce match gagnant. Et une nouvelle fois, ça va terminer par un très bon smash tapé de ma part pour prendre cette première manche. 6 jeux à 3. Allez, tout de suite, on se procure 3 balles de break d'entrée dans cette deuxième manche. Oh là, Moindri, le mur. On le voit pas à l'écran. Il bloque tout. Alors, il fait jouer très vite en bas. Ah, c'est dommage. Peut-être que j'étais dessus. Ouais, peut-être. Peut-être. Première balle de break sauvée. Deuxième balle de break sauvée. On se retrouve à 40-30. 30-40 plutôt. Le lob au milieu. Adri qui vient coller. C'est plutôt bien joué. Avec la superbe main d'Adri. Il remet extrêmement bien le break d'entrée. On conserve notre break jusqu'à 2-1. Et attention, on se retrouve à 15-40. Voilà, 3 balles de débreak de la part des adversaires. Encore une fois, on a un peu de mal hein, sur nos jeux de service. On était pas mal embêtés. Bien avancé ça, moi, Adri. C'est très très bien joué ça, Adri. Bravo, et on serre le point. C'est des points importants. Ils n'ont pas pris une seule balle de break pour l'instant. Ce serait bien que ça reste comme ça. Punto de Oro. Allez, mon jeu. On s'engage. Allez, il force. Et merci à lui. Ça, c'est quand même une grosse faute, hein, les gars. C'est ces petits détails qui font que ils prennent pas les jeux, en fait. Hein. Ils forcent, ils nous font pas jouer. C'est eux qui ratent sur les points importants. Punto de Oro, nouvelle balle de double break. Oh là, quel revers d'Adri qui rentre très fort au milieu pour les faire voler sous le niveau du filet. Et ça double break 4 jeux à 1. Il en est très très bien dans cette rencontre. Oh là, quel volet. Oh là, ça va être incroyable. Incroyable, 40-30. Elle est pas mal aussi celle-là. Elle est pas mal aussi. Et 5 jeux à 1, les gars. Tout se passe très bien dans cette seconde manche. Et vous l'avez vu, c'est vraiment cette gestion des points importants. Qui fait une grosse différence au niveau du score à la fin. C'est important quand c'est un point un peu chaud, une balle de break, pour sauver peut-être une balle de break aussi, de faire vraiment ce qu'on fait le mieux. Les choses qu'on va pas rater sous pression, c'est vraiment important. Et pas commencer à tenter des choses qu'on n'a pas l'habitude, parce que bah, sous pression, c'est beaucoup plus difficile. Et il s'accroche en face, il revient à 5-2 et on est à 30-0 sur notre jeu de service, on est beaucoup mieux. Et Moindri qui va sortir ce petit kick grille. C'est bien défendu une nouvelle fois, ça va taper. Elle est bien, elle est belle, ça passe. Ça passe et on aura le droit à 4 balles de match. 4 balles de quart de finale les gars. Et ouais, après une magnifique volée de la part d'Adri, on s'en sort 6-3, 6-2 dans ce 8e de finale. Et on aura le droit à un super quart de finale à venir.
Salut les padelistos. Petit match un peu bizarre. Pas des grands gabarits, ils font pas très mal au-dessus de la tête. Au début de match, là, il nous faisait un peu chier parce qu'il défendait très vite au corps. On s'en sort bien, hein, encore comme hier. On sauve des balles de break et tout. Encore une fois, on est à 15-40. C'est pas terrible. Quelques fautes encore. Attends, les gars, faut acheter la bonne. C'est un petit abonnement, 5 euros par mois. C'est quoi 5 euros par mois? C'est un grec. Allez, un grec peut-être en 2015. Ça va peut-être augmenter les prix. Moi, j'ai pas augmenté mes prix, je reste en dessous d'un grec. Vous avez des super petits emojis là. Vous avez aussi un super logo à côté de votre prénom comme Paluche. Magnifique. Et en fonction du nombre de mois, votre logo évolue. C'est magnifique. C'est complètement magnifique. Donc on met rejoindre, on devient membre, on est une petite communauté. Et surtout, on a accès à un Discord VIP, les gars. Discord VIP, on parle. Voilà, on fait les petits fous. Il se passe plein de choses, hyper animé. Regardez-moi ces couillons là. Voilà. Une brochette de couillons. Voilà. Voilà ce que ça fait. Un beau Picasso. Non, je vais faire mon briefing moi. Le premier set, c'est... Le débriefing, pardon. Excuse-moi, Phil. Mais c'est important. Non, mais toi qui rates rien, c'est vrai que c'est bien de reprendre les autres. On a fait un premier set plutôt solide. J'ai, encore une fois, comme le match d'hier, pas été très bon en retour et en défense. En attaque, c'était pas mal. Julien a très bien joué. Il a fait un très bon match. Il a bien tapé, solide du fond. Il a bien manœuvré et tout, bien défendu. Jusqu'au break du deuxième, on joue plutôt bien. On fait un bon match solide. Et après, je me suis pris la balle dans la cuisse. Et derrière, j'ai eu déconnexion. Et on a double breaké. Ouais, et on a quand même double breaké parce que Julien a tenu la baraque. Parce que moi, j'ai fait quand même... En deux jeux, je pense que j'ai fait 8 fautes. Gros match de Julien, et moi j'ai quand même des sauts de concentration là, sur des matchs comme ça, c'est terrible. Et puis 9h du mat, ça me réussit vraiment pas. On a un gros match en quart, non ? Ouais, 115 et 150, je crois. Bon, voilà. C'est bien, ça va être un bon match. Et puis, je vous félicite en tout cas sur le chat. C'est Denis, bravo. De votre niveau de lucidité, j'adore. Au-delà de la vidéo, faut que ce soit live, quoi. Moi, tu veux Tu veux que je fasse un live de ça, là, quand même ? Et là, quand même, messieurs. Regardez-moi la gueule de la piste. C'est un terrain single. À droite de la chaise, Philemon Reichmann. À gauche de la chaise, Quentin Ayuso. Pour savoir qui sera le plus nul de Suède. Match pour savoir qui sera le plus nul de Suède. Allez, messieurs. C'est mythique, la vue. Philou qui prend le milieu. La vibora de Philou. Oh là là. C'est défendu volé de revers, c'est magnifique. Ça flotte, ouais, ça flotte, hein, Philou, ça flotte. Ouais, on l'a vu, celle-là. Ouais. La Chiquita. Oh là 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 là, Philou. Philou qui fait. Philou qui peut pas jouer en 1 contre 1 en fait. Philou qui peut pas. En diagonale, il en gagne pas une. En 1 contre 1, il gagne pas une. Elle est belle. Oh, c'est dommage. Oh, le trop tard. Oh non, mais Ayuso là. Il s'est pris pour qui, le mec? Il s'est pris pour qui? À 30 ans, il tente retour gagnant croisé. Non, mais je rêve. Elle est pas belle. Oh non, mais alors, que du grave. Ouais, je sors la caméra, les mecs font n'importe quoi. Ils décident de me tanker le truc, quoi. Ils me tankent le truc. Allez, file au retour. Peut-être que ce sera mieux. Je vais me mettre là, on voit mieux. Ok, défense. Elle est belle. Oh, Marius qui doit défendre vite, vite à gauche. Oh là là. Oh. Oh là 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 là. Oh, le passing vite latéral, je l'ai dans la boîte celui-là. Oh là 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 là. Ah, Philou qui prend quand même des choses là. C'est pas drôle. Je me réveille de ma sieste là, les gars. Ça fait du bien. Beau nuage gris dehors là, c'est cool. On s'est reposé tranquille. On a match à 17h tout à l'heure contre du coup les têtes de série 4, Rocafort et Castillo. Gaucher, droitier. Ils sont 115 et 150, je crois, mondial. Donc, mais Castillo, je crois qu'il a été mieux Rumpel. Enfin, je sais pas, je pense que ça joue mieux que 150. Mais bon, à voir, quoi qu'il arrive, ce sera un très gros match. Un bon feeling là sur le terrain, c'est cool. J'espère qu'on va. On va bien jouer, c'est un bon test là, tout à l'heure. Donc voilà, être à fond, prendre du plaisir, hein, ça va être l'objectif. Essayer de se régaler sur le terrain de toute façon. Et puis bon, on verra ce qui,
ce qui se passe sur le court, mais je suis très content de jouer ce match. Je pense que Moindry il est en forme. C'est bien, on n'a pas perdu trop d'énergie là sur ce début de tournoi. C'est pas comme à Kaunas, on a fait deux matchs en 3-7 avant d'arriver en quart. Là, on a fait deux matchs plus tranquilles, donc c'est cool, on a plus d'énergie. Je pense que c'est important aussi. Bon, on va décaler au club, les gars, et après c'est parti, hein, place au combat. L'équipe, juste avant que ce gros match commence, si vous avez comme projet de faire construire des pistes de paddle ou si vous en avez que vous souhaitez les rénover ou les entretenir, n'hésitez pas à faire appel à Joco Padel. Je collabore avec eux depuis un petit moment maintenant. Vous le voyez sur le dos de chacun de mes t-shirts de match. C'est une entreprise française de construction et de rénovation de pistes de paddle. Je n'ai eu que des retours ultra positifs. Ils sont en plus hyper sympas à des prix extrêmement attractifs. N'hésitez pas à les contacter de ma part pour profiter des meilleures offres. Tous les liens sont évidemment dans la description et moi je vous souhaite un très bon match. Début de ce quart de finale, l'équipe contre messieurs Rocafort et Castillo Valverde. Rocafort, le joueur de gauche que j'ai joué déjà une fois, c'était d'ailleurs à Göteborg. J'avais pris 6-0, 6-4, je crois, pas des super souvenirs. Et Castillo Valverde, le gaucher que je ne connais, que je connais pas très bien. Je l'ai vu faire des bons résultats récemment. C'est un match sur papier très difficile, mais on y croit à fond. C'est vraiment loin d'être impossible. Et on se retrouve, vous l'avez vu tout de suite, à deux partout dans cette première manche, avec les Espagnols au service. Et une très belle volée qui est bonne. Et ça va tourner à 3-2 pour l'équipe espagnole. En ce début de match, il s'est pas passé énormément de choses. On a tous les quatre été plutôt bons sur nos jeux de service. Pas eu de balle de break à... De balles de break à sauver, on gagne notre jeu de service facilement pour recoller à 3 jeux partout. Et l'objectif, voilà, moi contre un gaucher, c'est exactement de faire ça, c'est de venir faire ce lob un peu au milieu pour que le gaucher vienne la taper en bandera et venir coller si le lob est très bon pour reprendre le filet. C'est beaucoup plus difficile de venir jouer les pieds quand il y a un lob qui arrive au milieu. Parce que généralement, le joueur va venir en bandera et c'est plus compliqué de trouver les pieds. Donc. Peut venir coller. Là, vous l'avez vu, première petite occasion pour nous, 15-30, sur le service des Espagnols. Moindry qui va finir et on aura le droit à nos premières balles de break dans ce premier set. Le lob qui est bon et ce match qui reste dans le filet. Et on démarre plutôt bien, 4-3 pour nous. Et là, c'est important, juste après avoir breaké, de faire un jeu hyper, hyper sérieux. Pour les laisser un peu dans le trou. Oh, Moindry. Oh, c'est dommage, celle-là. Elle va sortir. Attention. Eh oui, c'est nous qui sommes en difficulté maintenant. 15-40. 3 balles de break à sauver. 3 balles de débreak à sauver. Oh, elle va passer, celle-là. Ah, puis ça va sortir de rien du tout. Le débreak dans la foulée, c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. On les relance dans cette première manche. Allez, c'est bien. On est à 15-30 tout de suite. Mais ce débreak-là, il fait pas plaisir. Encore une fois, vous l'avez vu, je viens bloqué sur le gaucher quand il prépare en ce match. Ça fait 2-3 fois, ça fonctionne, donc on va continuer. Ouais, quelle défense avec la vite latérale. Ouais, la défense sur le haut sur la volée de revers, c'est très très bien joué quand on est en difficulté. Allez, quel point. Allez, mon jus. Eh oui, on va serrer le point. Et on serre le point. Et malheureusement, vous l'avez vu, on était à 15-40. Et on se retrouve à 40 à Punto de Oro. Et Moindry, le lob parallèle qui est magnifique. Je viens bloquer. Ah, oh, ça va sortir. C'est dommage. Il arrive. Vous l'avez vu, je viens bloquer sur une balle sur un smash qui peut venir glisser dans mes pieds. Et forcément, la volée pour moi est beaucoup plus difficile. Et on revient à 5 jeux partout. Joueurs qui sont très proches du filet, vous l'avez vu en face. Hein. Forcément avec Adri qui joue très tendu, qui aime beaucoup jouer en bas. Et ben les mecs s'avancent pas mal. Donc il y a vraiment la place de jouer au-dessus de leur tête. Et ici 5 pour eux. Faire un bon jeu là pour recoller à 6 partout. Le par 3 qui va sortir. Oulolo. Une grosse erreur en face quand même, puisqu'il était vraiment sur la balle. 45.
duel. Agri qui tombe pas. Allez, Moindri. Oh là là, cette balle qui rentre une nouvelle fois. Ah, c'est un peu court. Ouais, c'est un peu court. Allez, attention. Eh oui, attention, 40 à Punto de Oro, balle de 7. Balle de 7 en face après notre. Après avoir eu deux balles pour égaliser à 6 partout. Et on garde le fil, assez bien joué. Oh, ça va être contré. Oh là, c'est terrible. C'est terrible, on se fait briquer au Punto de Oro et on perd ce 7. 7 jeux à 5. Et tout de suite, on est en grande difficulté en début de deuxième manche là. Ah, c'est dommage, on avait eu le break dans cette première manche. Il y a eu. Je ne l'ai pas montré en vidéo, mais il y a eu des petits, pas mal de moments de frustration. Il y a eu des. Le joueur en face a pas mal embêté Adri avec son service en disant qu'il n'était pas légal, je ne sais pas quoi. Enfin bref, ça nous a un peu frustrés. Et malheureusement, ce match qui a tourné en fin de set. Allez, on arrive à égaliser un jeu partout. Hein. Et là, c'est nous qui avons les occasions 0-30 sur leur service. On va pas lâcher. On va pas lâcher, les gars. C'est bien joué, ça, la grille, mon jeu. Oui, et on aura des balles de break. Une nouvelle fois, 15-40, 3 balles de break. En ce début de deuxième. Bien bloqué, Adrien. Oh, la bande. Oh oui, elle fait plaisir. Elle fait plaisir. On s'excuse quand même, mais ça fait plaisir. Allez, 2-1 pour nous, le premier break dans cette deuxième manche. Et une nouvelle fois, on reste sur la même tactique. Forcément, quand nous, on est au filet, c'est de les faire beaucoup bouger. Pas forcément orienté sur un des deux joueurs, mais vraiment les faire beaucoup bouger, essayer d'en mettre beaucoup sur les volets parce que bah, c'est des terrains où c'est très facile de défendre. Quelle barada, ça, mon jeu! Bravo! Et après, quand on est en défense, moi c'est beaucoup lober au milieu et essayer de venir bloquer pour casser le rythme et reprendre ce filet à 40 à Punto de Rouen. Oh, quelle défense en face! Allez, ah, ça va prendre le filet! On s'en sort très bien, les gars, on s'en sort très bien et on garde ce break d'avance. 4 jeux à 2. Allez, Adri qui va sortir, non? Ça va sortir, oui, monsieur! Et 30-40, 2 balles de double break. Ah oui, j'avance bien. C'est très très bien suivi, ça. Et on va tourner à 5 jeux à 2 avec 2 breaks d'avance, on est très très bien dans cette deuxième manche, les gars. Objectif, aller chercher une troisième manche décisive. Oh là là là, quel par 3, c'est magnifique. C'est magnifique. Et 40 à. Punto de Oro. Balle de 7. C'est un peu court. Ah, c'est dommage. C'est dommage, cette balle qui prend la bande et un premier des breaks, attention. Attention, on avait eu ce break aussi dans la première manche et ça va tourner à 5 jeux à 4. On a toujours un break. Il faut absolument terminer maintenant. C'est pas le qui va rentrer. Oh là là. On est présent. On est présent au filet. Allez, mon jeu. Pff, quel point encore une fois. Oh là là, quel coup droit décroisé. C'est un coup droit gagnant, mesdames et messieurs. Il fait plaisir celui-là. 40-0. 4 balles de seconde manche, s'il vous plaît. C'est le moment de la mettre. Et oui, sur la première, on s'en sort. On s'en sort dans cette deuxième manche. 6 jeux à 4. Tout de suite, on se retrouve à 2 jeux à 1 pour les Espagnols. Dans cette troisième manche, cette manche décisive. On pourrait chercher une belle victoire, hein, les gars, si on s'en sort. C'est une petite perf, hein, ça nous ferait du bien, celle-là. Les blocs qui sont très hauts, c'est toujours très difficile à gérer. Objectif. Oh, je vais taper, non, c'est feinté. On va pas perdre ce filet. Oh oui, le changement de direction, c'est bien joué, ça, encore une nouvelle fois. Et attention, 30 à sur le service d'Adri. Cette volée au milieu est incroyable. Oh, c'est très bien joué. C'est monstrueux. C'est monstrueux, Adri, qui vient taper fort devant. On s'en sort pour égaliser à 2 jeux partout. Ils gagnent très facilement leur jeu de service. 3 jeux à 2. Et attention, une nouvelle fois, on est à 0-30
sur notre jeu de service, sur mon jeu de service. C'est compliqué. Qui est vigilant. Oh là là, ça joue avec la latérale deux fois de suite là. Et mon jeu. Le lob qui est très bon en face. Et oui. Et cette volée qui reste dans le filet. Attention, 0-40. 4 balles de break. Une première grille qui est très belle. Pour sauver la première. 15-40. Et tous les points, tous les points. Bien, Moindri. Deuxième balle de break sauvée. La troisième est sauvée aussi. On se retrouve à Punto de Oro. Ouf. La volée qui est flottante. Le bon lob qui va peut-être sortir et qui sort complètement. Et ça nous permet d'égaliser à trois jeux partout. On s'en sort très très bien. On est toujours là. Allez, nouvelle fois, on vient bloquer. Ça fonctionne bien. Faut continuer. Allez, reste agressif. De la place, on veut une mine. Elle est belle. On lui revient vite, c'est magnifique. C'est complètement magnifique. 40-30. Le lob, une nouvelle fois, on vient charger. Oh là là. Oh la réussite là, cette LED gagnante. C'est terrible parce que le lob était très très bon. Heureusement, on se retrouve à 45 sur notre service ensuite. Oh, le smash tapé qui est gagnant. Pour recoller à 4 jeux partout, attention. On commence à rentrer dans le money time là les gars. Chaque point va être extrêmement important. Le lob est un tout petit peu court pour qu'on vienne charger. Encore une fois, on reste sur cette tactique de venir lober beaucoup au milieu, vous l'avez vu. On vient tous les deux bloquer. Et c'est une nouvelle fois payant. Et on va aller le chercher ce match les gars, on va aller le chercher. 30A. 4 partout, 30A. Oh non, oh non, c'est dommage, ce retour qui prend la bande. 40-30. Ah, il y a un nouveau retour dans le filet. Ah, c'est dur. Ah là, c'est dur. Ah, c'est dur, on est à 31, on rate deux retours. En équipe, un chacun. Allez, Alain, faut revenir à 5 jeux partout. Allez, mon jeu. Bien tapé, ça tout droit. Bien tapé. Monstrueux, c'est monstrueux. On revient à 5 partout. 45 sur leur service. Nouvelle fois, on vient bloquer. Cette fois-ci, c'est très bien joué. Et oui, il commence à varier un petit peu en se matchant sur Adri. Il faut rester hyper vigilant. Et 6-5 pour eux, les gars. Maintenant, c'est à nous de servir pour aller chercher ce tie-break du 3ème. Quel match. Allez, mon jus. Elle est belle celle-là, elle est très bien glissée au milieu. Et on serre le point. Et on serre le point à 30A. Ça va monter. Allez, on est vigilant au filet, c'est bien. On a une belle présence. Hein. Elle est belle celle-là, Adri. Oui, la grille une nouvelle fois. C'était un point important là, 31. Oh là 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 là, tous les points là sont extrêmement compliqués. 40-30. Allez. Allez, mon jus. Oh, la feinte. Oh, ça va prendre la bande, ça fait plaisir. Et on aura le droit à un tie break du 3ème, les gars. Oh là 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 là, quelle tension. 2-1 pour nous, pas de mini break. On vient bloquer une nouvelle fois. On récupère le filet. Allez, mon Adri, c'est bien joué. Et oui, c'est bien tapé pour terminer le premier mini break de ce troisième, de ce tie break du troisième. 1-3. La tactique, on continue, hein, vous l'avez vu. Oh, c'est dommage. Oh là là. Oh, c'est dommage. Oh, et le cri de l'Espagnol en face. Oh, c'est vraiment dommage. Tout était parfait. Tout était parfait. On a toujours un mini break d'avance. 3 points à 2, pardon. Allez, mon jeu. C'est un peu court. Ah, c'est un peu court. Mais oui, pas assez piqué ce match. Vous l'avez vu, je prends le bas de la vitre et ce match qui remonte pas du tout. 3 points partout. C'est les deux équipes hein, là, qui viennent bloquer sur les smatchs. C'est bien, heureusement que je reviens très vite. Très vite vers l'avant. Oh, c'est
extrêmement tendu. 4 points à 3 pour nous. Défense au milieu, c'est bien joué. Hop, qui est pas mal. Allez, on vient bloquer. C'est pas qui rentre. Oh là là. Oh là, c'est très très bien joué. Elle est extrêmement bien jouée celle-là pour revenir à 4 points partout. Ah, les gars, c'est extrêmement tendu. Ah, c'est dommage, Moadri, ce lob qui s'échappe. 5 points à 4 pour les Espagnols, pas de mini-break. Et ce point est extrêmement important, tous les points sont extrêmement importants. Oh, cette balle qui vient glisser. Oh là là. Et 5 partout. 5 partout. Adri qui touche le pied. Et on aura le droit à notre première balle de match, les gars. Première balle de match sur le service adverse. 6-5. Le retour d'Adri qui est bon. Le lob qui est un peu court. Allez, on est encore là. Bien défendu, ça, moi, Adri. Oh, on communique pas. Oh, c'est catastrophique. Et qui se jette au sol. Oh là 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 là. On est tous les deux à dire j'ai. Au final, personne ne la prend. C'est terrible. Et on tourne à 6 partout. Bien défendu. Allez. Allez encore. Oh, c'est compliqué. Oh là là. Oh, c'est incroyable. Allez, mon jeu. Oh là, je distribue du fond. Allez, là, au milieu qui est parfait. Oh, à quel point. Allez, mon jeu. Oui, c'est bien tapé. Oh, et c'est bien tapé. Et oui, on aura le droit à une nouvelle balle de match. Deuxième chance, cette fois-ci sur notre service. Adri qui passe sa deuxième. Oh là là, quel bloc. C'est monstrueux. Allez. Oh, c'est touché en face. Oh là là, Adri qui fait la feinte. Oh, il tape. Oh là là, c'est raté. Oh, c'est exceptionnel. Oh, c'est exceptionnel. Mesdames et messieurs, exceptionnel fin de match. On s'en sort dans ce quart de finale. 5-7, 6-4, 7-6 au bout du bout du bout du suspense. Oh, incroyable partie. Moi, Adri. c'est vraiment l'endroit du débrief ici. J'ai ouais. C'est, attends, ça fonctionne, on va continuer. Alors, attends, j'appuie sur pause sur... C'est les pubs de The Voice. On est en demi-finale quand même. On est en demi. Je suis assez content d'avoir gagné ce match, Julien. Ah bah moi aussi, je vais pas te mentir. C'est quand même ma première demi-finale de FIPRIZE en Europe, parce que le niveau européen est quand même plus fort que dans les autres continents. Donc, Bah surtout sur celui-là. C'est un FIP relevé, une victoire qui fait plaisir, hein, putain. Franchement, vu le scénario du match, on a plutôt bien démarré, je trouve. Ouais. Il y a Rocafort qui a décidé de pourrir le match. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu le match, il a décidé, comme je faisais des services un peu chiants, et gagnant la plupart du temps, que qu'en gros je faisais faute de pied. Voilà. Donc du coup il en a parlé très tôt, hein, je crois que c'était. Oui, oui, dès le premier jeu, dès ton premier jeu de service. Dès mon premier jeu de service. Il en parle avec l'arbitre. J'ai pas compris, donc et en fait la superviseur qui calculait rien un peu, elle a été un peu dans son sens, quoi, au lieu de. Ouais, en gros, elle a voulu rester sur le terrain pour voir comment on servait sans trop. Elle nous a dit 4 jeux, hein. Ouais, 4 jeux pour voir les 4 joueurs servir. Après, à un moment donné, elle est partie, il a carrément arrêté le point. Ouais. Il a arrêté le retour. Il dit non, tu peux pas servir comme ça. Bon, après, c'est un peu chauffé. Après, c'est un peu chauffé parce que moi, j'ai un vrai problème, c'est que dès qu'il y a des injustices comme ça, je sors un peu. J'ai pas envie de me laisser faire, en fait. Parce que je viens faire des tournois en Suède, on s'investit pour jouer des mecs qui ont la même vie que nous. Donc, à force, ça fait 10 piges qu'il fait le World Padel Tour, qu'il a jamais dépassé top 100. Enfin, il a jamais été top 100. Ça devrait bien se passer, quoi, tu vois. C'est vraiment ouais. Bon. Et ça m'a gavé. T'es resté un peu spectateur de ça. Traducteur, un peu. Un peu traducteur. Adrien me disait, vas-y, dis-lui ça. C'était énorme, mais surtout, j'ai mis un petit coup de pression à superviseur, j'ai pris un avertissement quand même. T'as pris un avertissement. Alors que lui a quand même envoyé une balle sur le central. Il a envoyé un missile sur le central et tout, comme par hasard, elle est pas là à ce moment-là. Ouais. Enfin bon, il a voulu pourrir le match, d'ailleurs après il a pourri. Hein. Bah, t'as vu, il nous balançait des balles. Il s'encourageait limite quand on ratait une première. Enfin bon, break.
On break au premier, ouais. On est pas mal, et on fait un jeu catastrophique. Ouais. On fait, je crois, 4 fautes. Ouais, c'est possible. Au moins 3. Voler faux, des trucs inhabituels. Mmh. Des breaks, et il y a le litige et tout, ça chauffe un peu, on se fait breaker à 6-5. Ouais, ouais, on fait pas une bonne fin de set, mais tout en sachant, je trouve que, limite l'impression, tu vois, qu'on était presque un peu devant, et c'est nous qui donnons. Bah, c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs. Ouais, on s'est dit, à un moment, s'il n'y a pas le litige, je t'ai même dit, je crois, à la fin du premier set, s'il n'y a pas le litige, ce match-là, en gagnant 2-7. Je vous sentais plus fort, quoi. Ouais, et dans le deuxième, on double break, mine de rien. On mène 5-2. On se fait débriquer une fois. On s'en sort quand même 6-4. Et troisième, c'est la lutte. Il y a un petit regret sur le 15-30. On mène 15-30. On fait un très bon jeu parce qu'en plus, on décide de changer de tactique. Oui, de lober très haut. Et de charger tous les deux. On le fait bien. Ouais, et on fait 15-30 et on fait quand même 3 fautes de 3 retours de faute. Un petit regret là-dessus. Et puis après, on tient bien sur notre jeu de service. À un moment, on est mené 6-0-40 quand même. Oui, on revient bien par contre. Ouais, on revient bien. Et le tie-break, ça joue à pas mal. Tie-break, ça se joue à rien. Hein. On a balle de match à 6-5, balle au milieu. Ouais. Tous les deux, on dit j'ai. Au final, personne la prend. À 5-5, 5-5. Non, frérot, à 6-5 pour nous, balle de match. Hein. Non, après, on tourne dans la foulée. Ah, exact, t'as raison. À 5-5, je fais smash tout droit qui touche l'adversaire. Qui touche le mec. Effectivement, on a une première balle de match. Oui. Et on se gêne. Oui. Tu me dis en premier gel. Après, j'insiste de ouf parce que je me sens bien. Et en fait, hésitation. Hésitation. Et au final, tu t'écroules au sol. Non, mais surtout qu'il n'y a pas un moment depuis nos deux tournois où on s'est gêné au centre. Oui, c'est vrai. C'est fou quand même. C'est vrai. Et après, derrière, qu'est-ce qui se passe 6-6. Il y a un bloc. C'est pas là où je fais bloc. Si, je crois que t'es monstrueux. Tu lobes, tu colles, tu bloques. Et après, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc. Je fais la balle de match. C'est énorme. J'ai un péno à 1 mètre du filet. Et comme les 2-3 derniers smash que j'avais fait, j'ai tranché, j'ai un peu boisé et tout, je me fais contrer. Je me dis, je peux pas me permettre sur le balle de match de rater. Donc, je fais pousser cette grille. Je la rate. Elle touche la vitre latérale. L'autre joueur de droite se bagarre pour la jouer. Il la met bien. Ouais, je tape droit devant moi, ça fait elle monte un peu, je voulais pas qu'elle monte, mais elle monte un peu. Oui. Rocafort se retrouve à 1 mètre du filet à jouer tendu sur moi, je fais voler croisé, réflexe. Là moi j'étais spectateur des 3 derniers coups, j'étais comme ouf. Parce que faut savoir qu'avant qu'il ait le penalty, moi j'ai un smash quand même plutôt cadeau à faire. Je tape plutôt bien sur le joueur, il la prend du bout de la raquette, ça fait tranche haute vitre et ça revient de notre côté. Je dois terminer là-dessus, mais bon, on prend le point, c'est si bon. On prend le point, c'est ça. Après, sur le contenu, il y a eu litige qui nous a un peu sorti, qui m'a sorti surtout moi, je trouve. Toujours, moi, sur ces moments-là, je sors un peu. Et je pense que là où on a, en attaque, on a été très bon, je pense. Toi, t'as très bien défendu dans le jeu. Et t'as super bien bloqué en avançant. Oui, j'ai très bien bloqué. Le gaucher, en fait, il faisait pas très mal, mais il était beaucoup d'effets. Ça me cassait les couilles. Donc, à la fin, on s'est dit, j'essaie de lober plutôt au milieu parce qu'il avait un bon kick grid. Ça, c'était chiant aussi. J'essaie de lober au milieu et si le gaucher venait, je chargeais. Et au final, j'ai très peu raté. C'est juste du fond, quoi. Ouais, on a été tous les deux, je pense, pas bons en retour. Ouais, moi, j'ai recommencé à psychoter un peu. Mais moi aussi. Et ouais, on a raté. Un peu au retour et t'as été un petit peu en difficulté en demi-vol à Dorvert. Oui. T'as fait quelques fautes sur les moments un peu clés. Et moi, c'est mes smash tapés pour finir où j'ai un peu psychoté. J'ai fait 3 tranches, je crois, quand même, sur des moments un peu chauds. Je me suis fait contrer 2-3 fois. Bon. Après, ce qui est bien, je trouve, quand même, c'est qu'on bat des bonnes équipes en ayant encore des choses à améliorer, tu vois. Moi, je trouve vraiment qu'on peut améliorer plein de choses. Bien sûr. C'est pas comme si on avait fait un match de fou et qu'on était là, on peut pas mieux jouer. Non, on peut vraiment mieux jouer. Et là, on a battu une bonne paire, quand même. Ouais, on a battu une bonne paire. Demain, tête de série 2. Ouais, tête de série 2, les frères Melendez, frères Quickma. Qui sont, 80 à peu près. Ouais, qui doivent être 80 à peu près, hein, ça doit être ça. Ça va être cool. Ouais, ça va être top. Ça va être cool, demain, 10h30, les gars, voilà, on peut dormir un peu plus. Tout est beau, quoi, la vie est belle. Là, on est vraiment au paradis, je vais pouvoir regarder ma rediff de The Voice. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé, hein, comme d'hab, hein. Envoyez des likes dans tous les sens. Et on se retrouve très vite, hein, dans la prochaine vidéo, à moins de rien. Bisous, vous kiffe. Ciao, ciao, à bientôt.